J'applique d'abord l'illusion d'ombre de chez Chanel, donc la Ébloui, qui est un Bordeaux. Puis sur toute la paupière mobile, le Color Shock 01 de chez Kiko, donc qui est un beige irisé. Je commence à marquer le creux de paupière avec un gris pailleté. Puis j'estompe bien le tout avec un pinceau blender. Avec un bordeaux de chez Kiko, je vais venir faire ma virgule au coin externe de l'œil. J'applique ensuite des fards poudre plus clairs et irisés sous le paupière mobile pour illuminer le regard. Un trait très fin de crayon noir en ras de cils supérieur que je viens légèrement estomper ensuite. Je rajoute ensuite du bordeaux en ras de cils inférieur pour prononcer le regard. Et un crayon noir en muqueuse pour approfondir le regard. Un coup de mascara ensuite, ici le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Et je fais mes sourcils avec le Aqua Brow de chez Makeup Forever et un pinceau biseauté de chez Sephora. Je prononce la virgule avec un coton-tige et je démaquille les possibles chutes de maquillage. Et je peux désormais passer au teint. D'abord le pore Chanel pour camoufler mes pores visibles. Un peu d'anti-cerne utilisé également en correcteur pour les quelques boutons que j'ai. Et je finis avec la BB Crème Peau Parfaite de chez Yves Rocher. Un peu de bronzer et de poudre pour matifier tout ça, et c'est fini. Je mets un headband fleuri dans mes cheveux que j'enroule autour de quelques mèches. Et je suis enfin prête. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et vous dis à très vite. Bisous !